Double biceps. Ouais. Et coucou. Bon, on se retrouve, on est le soir et on est jeudi soir. Et ce soir, on recharge. Il est 20h pile poil. Il est 20h pile poil, faut que je mange ma crème de riz. Bon, pour vous redonner un petit peu, vous remettre un peu au goût du jour, on a fait la semaine de la Peak Week avec la décharge et tout ça. Et là, ce soir, on recharge. Donc, on coupe l'eau, enfin, on diminue l'eau. Et j'ai du chocolat à manger avec de la crème de riz et de la whey. Donc, la crème de riz est déjà prête. En fait, j'ai juste à rajouter de l'eau et à faire ma petite tambouille. Donc, je vais faire ça de suite. Bon, j'ai 2 carrés de chocolat. Ça fait une éternité, j'ai pas fait ça. Ça, juste ça. Ah, bonjour les gens, je ne sais pas comment ça marche. Franchement, c'est pas moi la youtubeuse bodybuilding et tout ça. Mais ouais, non, j'ai trop hâte de voir le jour J. Mais tu seras pas là. Je serai pas là, mais je penserai très fort à elle. Oui. Peut-être la prochaine édition, une des prochaines, ouais. Je sais pas. Grave. Suspense. J'en mets partout. Sur mon chocolat. Ah, c'est saumon. Parce que Simon aussi, du coup, il recharge en même temps que moi ce soir. Bon, il a déjà remonté un petit peu les glucides sur la journée, lui, déjà, donc on est pas mal. Mais moi, c'est mes premiers glucides de la journée et c'est mes premiers glucides le soir depuis... Ça fait combien de temps que je mange plus de glucides le soir? Ça fait au moins 4 mois? Non. 3 mois. Oui. Ah si. Non. J'ai mangé du conjac avant. Oui. J'ai mangé du conjac pendant super longtemps. Un goût à tout. Donc c'était bien avant. Je fumerai aussi un petit peu quand même. C'est parti! Premier carré de chocolat depuis une éternité. En plus, la story sur YouTube. Alors? Il a toujours le même goût, c'est vrai. Oui! C'est pas sucré. Oh putain! C'est pas sucré, tu trouves? Non. Le chocolat. Il fond de partout dedans. Incroyable. Oui! Alors? Eh mais, j'ai avoir super soif en fait. Ah oui, ça par contre. J'étais pas prête. Ça par contre, oui. Du coup, t'es descendu à combien? Trop. De quoi? En quoi? En cal, pour la décharge. Beaucoup trop. Mais en fait, j'ai coupé les glucides. Ah. Et problème étant, c'est que je passe de 340 grammes de glucides par jour à tout d'un coup 7. Donc, hier, PLS. Ça m'a violenté sévère en fait. Avec 8 litres d'eau? Avec 8 litres d'eau. Je pensais pouvoir encaisser, je me suis dit. Ah, ça va être chaud, mais tu vas l'encaisser. J'ai pas encaissé. T'as pas des glucides le soir? Ouais, même oui, le soir, ouais, j'ai pris à peu près 200 grammes de pâtes. Ouais, ah ouais. C'est tout. J'ai une manière de rebondir le ventre parce que c'était le bordel. J'ai des picots de bordel. Ah ouais? Ah oui, c'est le truc que j'ai vu avec les dinosaures là. Ouais. Ok. J'adore. Mais je préfère moi. Mais ça me fait des picotements de malade. Attends, mais j'ai pas eu de sucre depuis une éternité moi. Mais ouais. Du vrai sucre. Quoi, la les cookies? Bah les cookies, ouais, mais avant les cookies, non, ça faisait. Mais avant les cookies, ça fait. Ça fait depuis au moins juillet que je mange pas de sucre. Oui. Vraiment plus aucun sucre. Et coucou, il est 6h40 du matin. Cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Mais pas parce que je stresse ou quoi, mais juste parce que j'avais extrêmement faim. Le poids est le même qu'hier matin, donc 53,5. Donc du coup, là, petit repas dès 7h du mat. J'aurais dû attendre 8h, mais bon, on va pas attendre. J'ai faim, donc je mange. Donc voilà. Je prépare la crème de riz. Il y a les 2 compétiteurs de Simon qui vont arriver à l'appartement dans pas longtemps. Donc on va les attendre et après c'est le départ. Voilà. Bon, ça y est, les derniers sacs sont prêts. Tout le reste est déjà dans la voiture. Voilà, on va y aller. Les gars, ils sont en bas déjà. Putain, se lever du jour. Et bien sûr,
on part tous avec le pull Big Bison. Parce que dans le nord, il va faire froid. Tu prends tes macros et tu fais des arrêts. C'est une rivière, ça. Et salut, il est 13h54 exactement, il y a la team. Toute la team est là. On est au complet. On a encore 1h13 de route avant d'arriver au Airbnb. Bon, on a fait déjà 3 repas de recharge. Ça fait du bien, putain, de manger du chocolat et la crème de riz, des pommes de terre et tout là, ça fait trop du bien. Donc voilà, ici il fait chaud en fait, on pensait tous avoir froid, mais pas du tout, ça va ? Il fait 21. Il fait 21, il fait beau. On a un beau soleil. Bref, voilà pour vous tenir un petit peu au courant, on avance tranquillement. On arrive à 15h au Airbnb et après ça va être, je pense, bain d'eau froide. Parce qu'alors là, la voiture, je te dis pas, les pattes, dans quel état elles sont. Et après on va commencer les premiers check-up. On va voir ce qu'on va manger pour le reste de la journée. On va faire aussi l'overnight. Et à 18h, on va direction la salle de spectacle pour les polygraphes et le meeting ce soir. Donc voilà. Bon, ça y est, on est bien arrivés tous au Airbnb. Clairement, c'est une tuerie ce... Ce Airbnb est vraiment trop génial. Betty, elle est trop trop cool. Les gars, ils sont déjà dehors. Tan. Comme ça, on va être tout beau. On est là. Je me bouge plus vraiment. Impeccable, première couche mise. Bon, après, c'est la première, c'est l'overnight. Bah, t'es en direct. En plein tannage, pré-tanne. C'est ça. Elle est où? Elle est là pour direct. Un bal, hein. Elle est une peau. C'est... Elle est toujours des. Ah, attends le micro. Ça y est, on est tous tannés. Enfin, on a tous mis la première couche de tanne, on a vu tout à l'heure. Et là, on va aller au Tivoli pour faire les polygraphes. Et après, il y a le meeting ce soir à 19h30. On est parti. On est parti. On est parti, les gars.
Halluciné, frère. Ah ouais. Ah, attention, on a le premier stream, ça y est. C'est un Kinder Surprise. On pose. Beau. T'as un peu droit de... Ouais, tu fais des photos, Baptiste. Tac. T'as dit que tu voulais essayer le truc du mec. Ouais, vas-y. Comme ça, plus. Il est plus écarté en fait. Beaucoup plus écarté. Ouais, vas-y. T'inquiète pas. Tu filmes tout hein? Non, je filme que le début. Parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et je pense que j'ai beaucoup de rush. T'as pas tes cannes. C'est ça qui te fera. C'est beau, hein? Regardez le vaste Grandis-toi. Ouais, grandis-toi. Sois fort, tu peux y aller. Hein. Parce que tu sais. Faut que je ne fasse que rouler. Le violet avec du brun. Là où bien il m'a prouvé par le master en piqué. Le master en piqué. Yes! Franchement, t'es pas du tout. Tu peux le lock tes genoux? C'est où, carrément? Expire bien, expire bien. Et les obliques. Ouais, bien. Ah, très bien, très bien, très bien. Ces petites épaules, j'aime bien. Hop, très bien. Tu stries du pec droit, mais qui est. Oh tiré. Putain, oui! Tu l'as vu, celle-ci? Essaye de venir avec ton bras avant, essaye de venir ici pour le pec. Talon, pour voir, pour la cuisse juste. Okay. Impec. Moi, à chaque fois que j'en prends trois. Ouais. Oh, du tout. Magnifique. Ah, ça prend. Tiens. J'aime bien quand tu fais. Ça te va très bien. C'est fort, fort. Ouais. Énorme. Yes. Putain, c'est trop beau. Hein. Ah ouais. Oh là. C'est surtout, je pense que l'avantage que tu prends, c'est bon. Oh là. Les fessiers qui strient. Ouais. Oh oui. Ouais, c'est bon. C'est beau. Ouais. Tiens, viens, juste descends. Voilà. T'as une super belle peau. Je crois que t'as jamais une aussi belle peau. C'est beau. Flex les cuisses. On a un peu les bouts qui étaient pas fait cross-cut. Enfin, d'un côté, t'aurais pas pu le faire parce que non. C'était pas idéal. Mais ça aurait été le contraire. Il est où le micro, Baptiste? C'est beau. Je suis dans ma vie. En vrai, tu le veux? Ouais, je sais, laisse-le. Front pose. Attends, front scène. Ça va les cuisses. Lève les coudes. Ah. J'ai oublié. Cuisse. Ouais. Aïe. Abaisser, mais juste pour montrer un tout petit peu, tac, un petit coup. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux que je le laisse là ou là? Ça va croiser, non? Le dos, putain, mais c'est ouf. Tiens, là, je tiens. Elle est contente. Bon, tac. Ouais, tu peux jouer avec, tu peux jouer avec ça. Mais quoi, si, ça va être. Le tiroir, ça va gueuler. Non, mais je t'ai. Il va rester que lui dans la salle. Allez, Camille! La fin de prépa. Santé! Santé à tout le monde! Santé. Que demain vous apporte beaucoup de bonheur! Et santé, surtout, Camille! Santé, régalez-vous. Santé, mon bisou.
Régalez-vous. 3, 2, 1. Elle est bonne. Elle est très bonne. Bon, salut tout le monde. On est le jour J. Je m'excuse d'avance pour la tête de malade. Bon, hier, il s'est passé plein de trucs. On a tous très très bien rechargé. On a passé une très très bonne soirée. On a fait tous du posing, tout ça. Et petit coup d'eau de vie à la pomme hier soir pour se mettre bien. Et on a globalement tous bien dormi. Moi, j'ai dormi comme un loir. Simon un peu moins, les autres athlètes un peu moins aussi, je crois que je suis la seule à avoir vachement bien dormi. Bref, du coup ce matin je me suis pesée, je fais 53 kilos, ça y est, j'ai passé les moins 21 kilos, donc la recharge d'hier fait plus que du bien. Je suis allée aux toilettes ce matin, petite et grosse commission, donc ça c'est très très cool. Ça c'est les détails de la prépa, tu vois que tu parles que en prépa. Donc voilà. Ici, il fait froid, mais pour vous expliquer un petit peu, je vais peut-être pas trop parler aujourd'hui à la caméra. Je vais donner la cam à Baptiste comme j'ai fait hier. C'est lui qui sera responsable des rushs. Donc s'il y a des rushs de merde, c'est ta faute. Mais je lui fais de confiance. Donc voilà, ce matin, je vais manger. Il faut que je remplisse la machine. Simon, il a checké tous les athlètes. Il a donné les plans pour tout le monde. Les gars, il y en a deux qui passent ce matin en body. Et avec Camille, on passe cet après-midi vers 15-16h. Et Simon, il passe vers 19h. J'espère pas plus tard. Parce qu'à 21h, on a le resto. Donc voilà, on va passer une excellente journée. Ça va être trop trop cool. Et je vais rentrer parce qu'il fait très froid. Hello! Salut Camille! Bon, qu'est-ce que ça mange ici? Qu'est-ce que tu veux manger toi? La crème de riz. Il faut que ce soit un peu digeste là, faut pas qu'on fasse la glisse. Fort tes abdos. Yes. Pouh. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait Baptiste? C'est lui le caméraman de la journée. Moi je fais mes repas pour la journée, je suis en prise de masse. Alors regardez-moi ce riz là. Ouais, ça, j'ai des tupperwares, j'ai des soucis. Très bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce que je pense de ces gens-là. De ces dinos-là. Hello. C'est stylé en vrai. Oh là là, ça change tellement de tête. On est bien là. Ça te va? Ouais, en vrai, on est bien. Comment est-ce qu'on... Parfait, moi j'aime trop. Vas-y. Allez, nickel. T'as géré. C'était l'atelier make-up. Oh là là, t'as géré.
après je crois. J'étais il y a 5 minutes. Okay. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pour... Rien, je... Thank you.
Tiens, c'est là, Clem, c'est pour toi. On va le déguster, là. Allez. C'est quoi, ce petit? On s'en fout. Allez, fais-toi plaisir. Explique-nous ton petit poste, là. Confiture de figue, fais maison. Oh là là, comment ça sent bon. Oh là là, comment... Oh là là. Oh, Dieu. Oh, mon... Oh. Oh là 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 là. Magnifique. Tu vas le démonter. Tu vas le démonter. Je vais lui kiquer sa gueule. On va se retourner l'estomac, je crois là. Faut que je me calme. Allez, vas-y, tranquille. Mais fais-toi plaisir. C'est ton moment. Ton gros gros moment. Mais c'est juste un félicien. Et confiture de figue. De figue. Non, plus du pain. Oh ouais, le pain, tu sais que j'en ai trop envie. Y'a hein. Pas du pain? Non, prends une galette de riz. Non, ça va faire bizarre, tu penses? En vrai? Non, du pain. Ouais, ouais, demain. Trop bon. Ok, je vais m'arrêter là. Thank you.
93, Simon Bouissé. Ouais, Simon ! Allez, mon gros ! Allez ! Le numéro 100, Thierry. Allez, gros ! Max Carter. Ouais, Simon ! Come on.
Bon, bah, fin de journée. Il est... on est quel jour? Samedi. Il est 23h24. Les gars, j'ai le bide. J'ai dégrafé tout ça. Hein, parce que là, fin de journée, du coup, on a eu les résultats du coup des compétitions. Donc, j'ai fini 3e en figure et 2e en full body. Je suis très, très contente. Pas du résultat, je vais pas vous mytho. Mais je suis très contente de la condition qu'on a ramenée. Du posing. Donc, bon, ça présage que du bon. On va partir à Birmingham dans 2 semaines. Je suis déjà à Birmingham dans ma tête. Je suis déjà plus à Montargis. Et d'ailleurs, on dit Montargis ou Montargis, je sais plus. On dit Montargis. Simon, il était à un poil. Il était à un poil de cul de passer pro, le salaud. Donc, j'ai vibré. Je vous mettrai plein d'images. C'était vraiment génial. Je suis très très fière de lui parce que c'est son plus beau physique, clairement. Et la scène WNBF est faite pour lui. Donc pareil, on est déjà à Birmingham dans nos têtes. Là, on décompresse, je crois qu'on l'a bien compris. On va rentrer, je vais m'enlever tout ce make-up de merde. Et puis demain, petit brunch. Alors il y a les coachings là, qui nous réservent des surprises. Voilà, en tout cas, super super journée. J'ai kiffé du début jusqu'à la fin. Pas de stress, il y avait vraiment que du kiff. Et j'ai très hâte de monter à Birmingham, aller voir les petites anglaises. Je sens que je vais m'éclater également. Donc franchement, ça va être un très bon week-end encore une fois. En tout cas, je tiens à remercier le caméraman parce qu'il a fait un taf de malade et il me donne du taf en échange. Donc Baptiste, cœur sur toi. Et tous les compétiteurs de Simon, franchement, on a passé des très bons moments. Je vais donner le micro au chef. Il a des choses à dire. Oula. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Cette fin de vidéo, je sais pas, peut-être. Fin, ouais, presque fin. Je pense sais que demain pas. Matin, il y aura un peu de brunch. Oui, un petit brunch. Le caméraman, il est en plus un bruncheur. Mmh. Alors, il a fait plusieurs métiers en une seule journée. Une seule okay. journée, il a quand même enchaîné. C'était quand même pas mal. Non, sinon, c'était une très, très bonne journée. Retour des juges qui sont excellents. On a le niveau pro. L'objectif, c'est d'aller le chercher pour le coup. Donc, avoir une carte, ce serait pas mal. Je pense que ce serait pas mal du tout pour nous. Et voilà, en tous les cas, on donnera tout pour aller chercher cette carte professionnelle tant attendue. Si t'as rien à foutre du coaching, parce que c'est fortement possible également, que t'as rien à foutre. Et que c'est que du voyeurisme, et que tu peux quand même nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, on s'amuse bien. On sommes un couple de culturistes qui vivons de notre passion. Et on s'éclate en faisant ça. Et si on peut vous partager un minimum de notre vie, de notre intimité, dans les limites du raisonnable, je pense que ce sera le meilleur pour vous et pour nous. Voilà, tu tiens ça comme un petit thé anglais, c'est mignon. Voilà, mais, ouais, on commence à se faire bien méga. Ouais, hein. C'est vrai. Bon, on se retrouve demain. Il y aura des images du brunch. Je sais pas si je vais ouvrir les yeux demain pour vous parler, mais on verra ça. Qui est plein pour le week-end. Oh, hein. Là, on peut rouler. Ben, attention, croissant aux amandes. Oh, yeah, yeah, yeah. On a pris 4 viennoiseries de chaque. Ensuite, pain au raisin, sachez que ça n'est pas fantastique de tout le monde, mais Ben adore et moi j'aime bien. Très bien. Et 4 aussi. Croissant classique. Oh là là. Ensuite, pain au chocolat. Classico. Chocolatine, on dit dans le sud. Chocolatine et chocolatine aux amandes. Ah ouais. Oh. Et des pains suisses. Oh, des pains suisses. Ensuite, attendez. Bon, là, on a craqué. Oh là là. Petite série. Les extras. Ah, t'es prêt, Simon? Oui. Le petit. Sans Vénitien. Un petit comté. Du comté. Oh là là. Tu sais que moi je mange ça tous les jours. Allez, c'est voilà. Trop bon, ah, c'est voilà, trop bon. Des crélox pour la mystique. Ouais. Et après, il y a de la charcuterie en tout genre. Oh, de oh là là. Bah, oh, putain, vous avez déconné. Ben, il veut prendre de la confiture. Il revient, il me regarde. Bon, confiture de fraises. Confiture de lait. Il me dit, t'aimes bien le caramel? Et c'est tout. Oh, bien. Et c'est tout. Et franchement,
Je suis arrivé devant les viennoiseries, je me rappelle une phrase du coach, je crois que les viennoiseries c'est trop lourd. Je dis, ben on fait quoi là? Est-ce qu'on écoute le coach? Bonne, tu vois. Et du coup, ben. Non mais les mecs, du saucisson! Ah oui! C'est de merde. Hein. Bon les gars, je vous reprends vite fait là maintenant là. Vous avez vu les courses? Alors là déjà on a du... On a quoi? Nutella. Nutella, pain. Mais... J'ai pris saumon et tout, mais la Nutella, ça fait plus de 4 ans que je mange une Nutella. Moi les gars, je vais me faire Nutella et du croissant. Ça fait moi plus de 10 ans que j'ai pas dû manger de Nutella. Ben, qu'est-ce que tu as mangé? Moi je mange que du salé pour l'instant. Ok, t'as raison, t'es stratégique. Parce que le sucré, je sais que je peux en manger autant que je veux, quasiment. Ça baigne. Camille, alors qu'est-ce qu'on a? Jambon beurre, putain. Jambon beurre. C'est trop bon. Bah là là. Petit bacon. Le petit bacon. Et je toi? Je vais prendre un peu du bacon, tu vois, croissant. Classico. Oh là là, c'est une tuerie. Merci. Voilà ce qu'on a, ce que ça donne sur la table, les gars.